Quant au flyboard, Frankie a réussi à créer sa version volante, sans tuyau, sans jet ski, pas encore homologuée en France. Mais ses inventions ont un coût. Alors pour financer ses recherches, cet inventeur infatigable a besoin de faire des bénéfices et donc de vendre beaucoup de ses flyboards. Pour ça, il a eu une idée de génie, en faire un sport à part entière. À 2 heures de Marseille, Cavalaire-sur-Mer, les fans de flyboard sont réunis ce week-end pour les championnats du monde de la discipline. Cette compétition, c'est l'idée de Frankie Zapata. Hello, how are you, my friend? Yeah, yeah. Good to see you. Pendant 3 jours, 70 candidats vont s'affronter dans la baie.